voici ici, tu es trop belle. Je m'interroge. Maman, ma soeur, te voici ici là. Oh, maman. Ça, c'est comme tu as fait le maquillage. Tu es belle. Tu as mis les lunettes. Tu es là, mais maman. Mais. Ah, on dirait un zombie. Spoilé. Moi, je suis naturel. C'est tout ça qui a le filtre, c'est ça. Hein. Ça, là, c'est filtré. Zoa, c'est filtré. Mais, mon frère. Hey. Ah, la photo ici. Il y a moins de 10 kilos de filtre sur ça. Te voici ici là. Ça, ça fait là. Te voici. Ça, qui a le filtre. Ce n'est pas que c'est naturel. Moi, là, c'est naturel. Il n'y a aucun filtre. Je fais mes directs sans filtre. Ça, c'est clair. Ça, c'est quand il y a le filtre. Bon, on va voir quand il y a pas le filtre. Tu m'as gardé avec ta peau. Ta peau ne prend même plus l'huile. Ah bon? Et pourquoi? Tu as fait le maquillage jusqu'à la peau, le filtre de l'huile. Mais on voit la peau de panne comme ça. Ah wow. Ta peau, on ne sait pas si c'est rouge, si c'est orange, si c'est vert, si c'est jaune. On voit c'est la peau de l'américain. On voit quand même que c'est le jaune. C'est les boutons noirs qui sont dessus qu'on voit. Qui a fait le diable ça? Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que ton diable ça n'a pas de couleur. Oulili. Te voici ici là. Au naturel. Et toi qui te suis l'aigle, te voici ici là. Moi, on peut se lever le matin. On se réveille le matin. Te voici ici là. Où tu es avec le bébé? Où c'est le bébé de qui? Où c'est ton bébé? Où tu viens d'accoucher? On va parler. On va partir pas à pas. On va se parler aujourd'hui là. Te voici ici là. Au naturel. Laisse mon frère. Hey. Avec le maquillage de 100 000 kilos. Te voici ici. Au naturel. Ça c'est au naturel. Sans rien, sans filtre, sans rien. On sent que ta peau a l'air badala avec tous les yeux du Cameroun. Tous les yeux du Cameroun sont passés en test sur ta peau. C'est toi qui te belle. On va t'écouter. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu l'as dit que la barbe, moi je suis naturel comme tu as vu là. On me met toi et moi devant mon naturel, on ne voit pas. Tu ne me vois pas, même le malade ça dépasse en Suisse. Tais-toi, maman! Tu perds le veuvage parce que les lois sont claires en Suisse. Moi j'ai consommé mon malade jusqu'au bout. Ça c'est clair. Donc j'ai consommé mon mariage jusqu'au bout. Jusqu'à. Et bien, je ne suis pas marié, j'ai divorcé et je suis parti attendre la lâcheté parce que ce que tu as fait c'est la lâcheté. Ce que tu as fait c'est la lâcheté, tu ne vivais pas avec ton mari. Ça c'est clair. Tu vivais avec une femme et il n'était pas divorcé de toi. Oh la loi ici dit que quand tu n'es pas divorcé, quand tu meurs, on reconnaît c'est inégal. C'est clair. Ça c'est clair. Mais tu es dans la lâcheté et tu ne te comprends pas les oreilles. Vraiment, je suis même avec des délicats et non pas moi. Mais vraiment, si tu n'as pas fait, si tu n'as pas cela. Oh maman. Ok, on va t'écouter, après je vais te parler très bien. On va se parler ici là. Comme toutes les femmes suisses. Que tu veux comme toi. Ok, on va parler en tant que veuve. Laisse mon frère. Hey. La seule veuve qui n'a jamais bombé en Suisse. Mais les autres fois de Genève là, tu as fait ça, jusqu'à tes chutes sur le PC. Oui, Lili. Oui. Oui. Ça, c'est ma photo. Hein. En mode maillot de bain. Le corps de l'enfant est comme son visage. Je l'ai dit, je suis devant toi, toi tu as le filtre. Laisse mon frère. Hey. Tout ça, toi tu es dans le noir, le filtre. Bon, me voici ici là, en maillot de bain. Comme tu es trop belle là. Le corps est comme mon visage. T'as dit qu'il n'y a pas trois couleurs. Toi avec tous les filtres là. On est là. Ah, oui. 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 Maman, tu es belle. Maman, tu es déjà les ancêtres. Voici, j'ai vu l'enfant. Maman, c'est les lunettes que tu vois. Les lunettes chinoises, les chinoises que tu vois là. Voilà les lunettes posées. On dirait qu'elle est dans un film de l'heure où on va l'attraper. Tu as vu l'enfant debout. Regardez ça. Mais, tu es belle. Avec les robes de AliExpress sur toi. Tu vas commencer à où tu achètes tes choses. Ça, c'est pas les robes de AliExpress sur toi. Tu vois, tu es une personne qui. Tu as mis 5 kilos de filtre, même comme ça là. Tu ressembles à quoi? Un gros sacoché. Tu commences à coucher, madame. Tu commences à coucher. Sans état. Tu te prends pour qui? C'est là, à ça, le filtre. Mets-toi en vrai comme moi là. Sans filtre, on se pose. Si tu donnes un homme, c'est le matin. Il pose la question qui dit que c'est pas la vieille Messi. Il faut pas la vieille Messi. Voilà, la peau que tu as vu là, c'est la même partie, il n'y a pas un kilo qui a souffert quelque part. Dehors, tu n'as pas d'identité. Je m'appelle un baron de Suisse. Et ça ne souffre de rien. Un baron reste un baron. Tu as compris quoi? Tu t'appelles qui? Tu as parti à qui? Moi, tu as bien vu le nom de mon mari. Tu veux la chopage, chopage. Non, monsieur, tu veux respirer. Tu veux faire la muscade. Est-ce que tu veux prendre la rente là? Tu veux faire le monsieur? C'est la dame qui vivait avec lui qui devait prendre la rente. Mais quand tu es venu en embuscade, tu as pris. Donc quand tu prends comme ça, tu mets le calcul, tu devrais faire les oreilles des gens. Mais monsieur, moi, qui est avec toi? Non. Tu ne mérites pas cette rente là où tu fais le bruit tous les jours là. Tu ne mérites pas ça. Non, monsieur, je vis avec toi. Il est venu avec toi. Donc quand tu parles, on dirait que tu mérites même la rente. Tu ne mérites pas. Tu es déjà dehors depuis. Donc la baronne. Nya, 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 nya. C'est toi. Mais rien dit, tu le filtres à ta toi là. Te voici ici là. Regardez. Zoa, te voici. Tu ne sais pas quoi. Je m'interroge. Te voici en vrai. Te voici. En vrai. Ça me filtre. Oh, c'est pitié incroyable. Merde. La peau a subi toutes les opérations chirurgicales de l'huile. Laisse mon frère. Hey. Même ta peau là, ne parle plus parce que tu l'as torturé avec l'huile. Le diable s'en a fait l'aller autour de ta peau. Oulili. Viens l'enfant. Tu l'as vu l'enfant. Tu es belle. Je suis croyant. Je suis Blogueuse. Je suis blogueuse. Je suis blogueuse. Oui. Laisse les enfants loin. Je ne veux pas les enfants. Je viens de rentrer ici. Je me... Oui.
Je suis chez moi, dans une chaise royale avec le, la climatisation en haut. Maman, est-ce qu'on va pas respirer? Bon, tu as la seule de la clim au Cameroun, quoi. On ne voyait pas venir les grosses villageoises. Mets-toi, tu me fasses construire ta maison là trois fois. Tu as compris avec quoi? Tu as la traversée en Suisse. Tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est la bordellerie. Et vendre les chinoiseries. Tu as fait quoi? Mais pour toi, de Genève, tu n'as pas fait ça? Tu as pas bordé à Genève? Mais bordé comme ça, vous venez déranger les gens. Tu vas venir des conneries là? Vous voulez acheter le monsieur, vous voulez déranger les gens? J'espère que Achille est menacé que toi, tu as la nullité de quelqu'un ici. Et c'est ce qui va arriver parce que toi, tu es sans confiance. C'est que tu es sans confiance. Tu avais publié la nullité ici de Carole Abena. On t'a accusé ici là d'avoir publié la nullité de Carole Abena. T'as voulu les honnêtes suivre sur Cameroun pour casser tes petits dents là. Tu as fui. Tu te rappelles, non? C'était pourquoi tu te parlais de la nullité, mais toi, tu as publié quelqu'un ici. Je vais en bas de la crime. Oui, en bas de ta crime. Tu vois, est-ce que c'est la crime? Elle est en bas de sa crime. Il y a la crime chez elle. Une villageoise. Hey, on peut vivre. Mais tu étais ensuite, tu as vécu ensuite, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais manière du village là? On parle de la crime dans une maison. C'est que tu es normal. En Cameroun, c'est normal que tu es la crime. Que je suis assise en bas de ma crime dans ma villa, sur ma chaise royale. Maman. Ok. Mais ça va pas que tu es aussi villageoise. Hein? Tu es très villageoise. C'est rare que je vienne sur ta page. Donc tu viens quand même sur ma page. Maintenant, quand tu passes ton temps à marcher pour chercher le commercial de ton chori là, c'est rare que je passe sur ta page. Donc tu passes quand même sur ma page. Tu passes quand même pour te promener. Ok. Comment un faux profil? Devant moi, tu es un faux profil. Tu n'as pas d'identité. Ah, maman, je suis une maman. Vous êtes cacher les malades. Nade soit de qui? C'est mon nom. Ah ouais? Pour le son nom, la langue va la recouper. Nade soit, c'est mon nom. D'accord. Dans le mariage, je ne sais pas. D'accord. Tu parles de nom, je te dis. Parce que mon étoile, oui. C'est ça. Nade soit de qui? Toi, tu es qui? Tu crois que je passe sur le même quoi? Hey! Tu crois que je parle de ce soir où tu es? Mais je crois qu'on va confondre. Je souffre. On va me confondre. Oui. On va me confondre. Oh là 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 là. Ok, c'est Achille Mana qui t'a appelé. Voilà quoi, quoi. C'est Achille Mana qui t'a appelé maintenant. Tout tellement elle est grave, tellement c'est une grande dame. Hey! Bienvenue sur Rosie Créteux pour tous vos événements tels que les mariages, baptêmes, anniversaires. Rosie Créteux est là et vous offre les meilleurs mets africains, européens et plus précisément camerounais. Rosie Créteux fait aussi dans la location des marmites chauffantes et bien d'autres accessoires du Créteux. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Avec Rosie Créteux, le service est impeccable. Maintenant, tu fais passer dans ton live là. Oui. Je la prends avec toi. Oui. C'est que la personne grand frère là, il peut demander comme ça. Ah, pas de problème, je vais demander à son grand frère pour donner son nouveau pour la télé. D'accord. Parce que je la vois passer le pauvre temps. Pauvre femme, papa, maman, excusez. Que Marie, toi, c'est une pauvre femme. Mets-le, toi. Mets-le. Tu as le courage, hein? Pour aller loin de ma valeur, je t'arrête. C'est-à-dire, chevalier de ma valeur, dans le président Pondia. D'accord. Je me suis déplacé pour aller vers lui. Tu m'as déplacé pour aller vers lui. Mais t'es dit, elle est qui au Cameroun? Elle est avec qui au Cameroun? Elle est qui au Cameroun? Vraiment. Elle me dit, mais je sais que je suis pas parti. J'ai envoyé Johnny, Johnny, livré, oui. J'ai envoyé Johnny, livré, la chanteuse. C'est ça. Avant qu'elle aille faire le boubou, la chanteuse, elle l'a envoyé là-bas. Quoi? Hein? Je suis une responsable, madame. Et tu le sais? Mais. Merci beaucoup. Mince. Zoa dit que. Zoa. Que quoi? Quand tu te regardes là, même si j'étais ça, tu es ma qualité. Quand on regarde ta peau, on sent que tu sens mauvais. Je suis désolé de le dire comme ça, excuse-moi de le dire. Quand on regarde ta peau là, c'est la tension qui est sur ta peau là, on sent que. Quand tu transpires là, c'est la guerre des odeurs. C'est la guerre des odeurs. Quand tu vois une dîme banalité comme moi là, je peux passer même. Ok, tu dis que. Je suis ceci, je vais te les. Considérons. Mande Zoa. Tu as fait la prostitution. Sur les trottoirs de Genève. Tu partais chercher les clients au trottoir pour monter avec, pour yoxer. Mais par tout ce que vous faisiez quand les clients vous demandaient là, tu as jamais fait là. Le corps de la femme que tu regardes là. Parce que c'est facile pour vous de toujours vous expliquer que les, tu vas mettre les chèques. Maman, tu as fait la pro pendant des années sur les trottoirs de Genève. Et nous connaissons on sait que les clients demandent beaucoup de choses. Tu n'as pas souvent fait que même quand le client veut deux fois, tu prends les filles pour monter à haut, pour satisfaire le client. Ok, quand vous partez pour deux fois, avec un seul homme là, tu ne vois pas les filles la nuit. Tu es pas habillé, mais ça tu es nu. Vous appelez ça quoi? C'est facile que vous devenez salir les autres. Tu t'es propre sur les trottoirs de Genève, sans état d'âme. Tu as fait les gros par rapport aux clients. D'accord? Bon, par rapport à ça là, quand tu prenais tes soeurs, tes frères, ou bien tes amis, pour monter pour satisfaire le client, vous êtes en train de faire quoi? Si le client vous fait toucher, vous le regarde parce que je n'ai pas la force. Tu as pas fait ça? Parce que c'est facile de venir toujours me salir. Parce que c'est mon nom qui est sur quelqu'un, mais maman, tu me sens ma tête là. Ta peau, quand on te regarde, on sent que c'est le bœuf qui dégage de ta peau, de ton visage là, c'est la meilleure qui dégage en bas. Non, on connaît. Les clients sont capricieux avec leur argent. Parfois, il vient le pas, il n'a pas la force. Il ne peut pas le casser, vous venez. Faites-le, vous dansez. Tu dansez, il va toucher, vous touchez. Vous appelez ça quoi? C'est au travail, non? Tu appelles ça quoi? C'est pas les liens. Donc, quand vous cherchez l'argent, vous n'êtes pas les liens.
vous cherchez l'argent, vous n'êtes pas l'aîné. Quand vous cherchez l'argent, vous n'êtes pas l'aîné. Hein? C'est ça, hein? Mais je ne peux pas faire comme ça, mais je ne peux pas faire comme ça, Vous faites ça en cachette. Vous faites ça dans les chambres avec les clients. Quand vous sortez, vous lâchez, vous sortez, vous insultez tout le monde. Mathezo, je suis des prostituées, je n'ai plus faire les partout, je n'ai plus fatigué. Tu as porté tes amis pour aller faire. Jusqu'à y avait des bagarres. Quand le client paye, tu ne peux pas payer notre comme il faut. Il y a la bagarre. Et toutes les bagarres en Suisse viennent de la prostitution. Une bonne partie des bagarres en Suisse, c'est le bord de bonnet. Parce que tu prends l'argent, tu ne peux pas payer tout le monde comme il faut. D'accord? Donc quand tu viens de dire que je suis l'aîné là, tu es l'aîné double. Double plus. Tu trompes seulement les hommes. Il faut leur dire que tu t'es baladé bien sur les trottoirs de Genève ici. Tu marches quand le client vient avec deux filles. N'est-ce pas que tu parles, tu vas chez le client là? Mais tu appelles la collègue ou mon ensemble. Vous appelez ça quoi? Quand tu parles de ta camarade, vous êtes mis là-bas, c'est quoi là-bas? C'est le voie bébé. Quand les mains se baladent là, tu appelles l'aîné. C'est quoi tu as fait? Tu es le trottoir là, c'était quoi? C'est facile de venir toujours. Mais Sali, oh la baronne, on sait que tu veux mettre. Non, si vous me léchez, ce n'est pas comme ma besoin. Tu n'as même pas, tu ne passes même pas à côté des critères. Parce que quand elle est dans la peau de ton visage, il sent que ça sent d'abord quand tu t'aspires. Tu vois non? Donc quand une femme est là pour faire laver sa peau, qui a la guerre d'abord, elle dit que le visage, il y a la guerre. C'est facile de venir que tu es l'aîné. Toute la prostitution, on connaît. Tu t'es bien prostitué à Genève. Donc la prostitution de Genève là, les clients sont capricieux. Tant que tu as son argent, il demande ce qu'il veut. On sait que les mocs parfois n'ont pas la force. Mais il veut seulement regarder. Tu as refusé de bien comme ça. Tu as la tienne d'argent là. Il va dire que mon père celle-là. Quand tu vois la voiture d'après là, c'est la bagarre générale. Quand la voiture d'après, vous discutez, vous prenez. Quand il dit, viens, tu ne m'as pas viens, c'est 500, on donne 500, vous montez. Vous montez. Quand tu montes avec elle là, c'est quoi? Vous appelez ça quoi? Parce que mon nom est facile dans vos bouches. Tu n'as pas fait le lait. Tu as fait le lait. Tu es un bordel. Lait. Chers fans, allez sur Play Store ou App Store. Téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire, avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NONSABY. Voilà comment NONSABY s'écrit. N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NONSABY pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. Ça dit, je vais te donner 5 euros, Jor, 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Ça dit que moi, je vais te donner 10 dollars, Jor, 10 dollars, quoi. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quel somme d'argent à 2 euros seulement. J'ai dit 2 euros, seulement si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon directo, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon directo. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire. Que sans Facebook, personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici, sur terre, chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique. Samuel Eto'o a réussi au football. Rodeli, la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que. Toi, c'est qui? Tu es qui? Tu es qui, comme? Toi, c'est qui?